dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'il est reproduit en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et coup d'envoi de ce match. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Ounas, Berg, ça joue à gauche. Et le ballon est sorti, touche. Le centre dévié par le défenseur, ce sera un corner. Et ce corner à la rémoise. C'est bien fait ça. Il peut centrer. Trop long, ça sort. Di Maria qui a un peu d'espace. Neymar. Oh, il résiste bien, il continue son one-man show. C'est parfait, magnifique. Et il tire. Et il est renvoyé par le poteau. Neymar. Bien tenté. Il met le pied, ballon récupéré. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Je sais que c'est facile à dire après coup, mais s'il avait regardé à droite, il aurait vu son coéquipier complètement démarqué. Je me faisais une réflexion, Grégoire. On les voit tenter beaucoup de centres, mais il ferait bien de varier un peu plus le jeu, non? D'accord avec vous, Langlish. Il faut quand même des joueurs capables de faire autre chose que systématiquement déborder et centrer. Oui, voilà. Et en plus, ça risque de surprendre et de déstabiliser leur adversaire. Mbappé. Oh, Icardi! Bien, la pauvre. Jusqu'au bout! Souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain, et eh bien vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et ça fait donc 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il faut pas arrêter là-dessus, faut chercher à faire le break. Et ils essaient de repartir de derrière. Dolberg qui choisit de jouer en retrait. Oh, c'est chaud! La frappe, attention! Et il trompe le gardien! Et il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Vous savez, il paraît qu'on voit deux choses de l'espace. La grande muraille de Chine et le trou dans la défense. C'est dire! Le jeu reprend sur un score de parité. Alors là, chapeau, hein. Voilà une superbe réaction. Ils ont su rebondir immédiatement après ce but encaissé. Di Maria, le Paris Saint-Germain qui cherche l'ouverture. Il va au duel. La bonne passe. Oh, il espérait ce ballon. Neymar. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions, et tout reste à faire dans la seconde partie. C'est donc le moment de souffler un peu et de préparer la seconde période. On rappelle le score, 1-1. Le coup d'envoi est donné, il leur reste 45 minutes pour faire la différence. On a vu les stats, et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Ça. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Sur la gauche.
aussi un bon centre. C'est bien intercepté. Tireur. Peut-être une occasion pour Mauro Icardi. Icardi! Ça passe à quelques millimètres à droite. C'était un tir plus que correct, ça méritait sans doute un meilleur sort. Ça joue long. Neymar! Bien joué, ça. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Alors, ce sera un coup franc à la limite de la surface. Di Maria, il va sans doute préférer centrer. Elle est compliquée à frapper directement. Alors, comment va-t-il la jouer? La tenter en force! Ça joue long vers l'avant. Neymar! C'est joué dans l'espace. Oh, la frappe! C'était bien joué, dommage! Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. Oui, il peut frapper là! Oh, quel arrêt! Ah oui, ils sont déçus. Ils pensaient bien que ça allait au fond. Voyons ce que va donner ce corner. Icardi! Bien repoussé par le gardien. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Dommage, c'est intercepté. Quelle passe! C'est joué long, attention! Ah, oh, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas! C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Kimpembe qui tente une passe longue. Voilà une bonne occasion de contre. Dans la profondeur. Oh, le bon ballon! Concentré sur son tir, les yeux rivés sur le ballon, il a déclenché sa frappe. Bip! Plus rien n'existait autour de lui. Et les voilà donc en tête. Ils méritent de mener, mais ils vont devoir batailler dur pour conserver leur avance. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Le ballon dans la profondeur. La passe dans la profondeur. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. S'il le trouve, il préfère repasser derrière. Il est marqué de près. Qui est le premier sur ce ballon? La passe est... Allez, c'est dangereux! Oh, le gardien est là, la classe! Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. De procéder à un changement. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. C'est fini, le match est terminé. Alors évidemment, ils auraient aimé gagner avec une marge plus importante, mais l'important, c'est d'empocher cette victoire. C'est